Salut à tous. Alors ça y est, on a enfin les prix pour la Nissan Leaf en Europe. Alors ils vont sortir un modèle série limitée, Nissan Leaf 2.0, qu'ils appellent ça. Donc bah écoutez, c'est comme au Japon, il y aura 40 kWh de batterie, 350 Nm de couple, 150 chevaux. Donc il y aura pas mal d'options, hein, des belles jantes. Comme vous pouvez le voir sur les photos, les pédales, le propilote, système de navigation. En termes de confort, on a de la sellerie cuir tissu, volant chauffant, plein de choses quoi. Je vais cliquer sur ça, voilà. Radar stationnement, ouais. Jante alliage, 17 pouces. Peinture métallisée. Câble de 6 mètres pour recharger en 21 heures sur une prise domestique 220 volts. Plein de câbles de toutes sortes. Connecteur CHAdeMO pour une charge rapide, évidemment. Heureusement qu'il y a ça, parce que 40 kWh, oui, c'est quand même beaucoup. Ils ont choisi CHAdeMO chez Nissan, toujours. Hein. Toujours fidèle au CHAdeMO. Donc le prix sera 36 990 pour cette série spéciale, si on peut dire. En bonus, donc ça mettrait à 30 990 et ça ferait 26 990 avec le bonus, le super bonus, tant qu'il y a encore. On peut la commander dès maintenant pour une livraison début 2018. Donc à mon avis ils ont du stock, hein. C'est pas comme Hyundai avec leur Ioniq, hein. Et voilà, je pense qu'elle va bien marcher, même si je trouve le prix un peu élevé. Ok, il y a de la finition et tout, mais bon, elle fait que 40 kWh, c'est pas non plus la folie, j'ai envie de vous dire. Donc 30 000 euros bonus inclus, ça fait cher quand même. Moi je l'aurais plus vu autour de 25 000 quoi. Bonus inclus, bonus déduit. Alors j'imagine que ça c'est un modèle limité, donc je pense qu'ils vont sortir une Leaf avec moins d'options, des jantes moins belles et tout. Je pense qu'elle sera moins chère, peut-être autour de 32 000 euros hors bonus. Ça serait quand même mieux quoi. Mais bon, pour l'instant ils nous sortent celle-là, donc à voir ce que ça va donner pour les prochains mois. Les gens disent que c'est cher hein, quand même dans les commentaires. Hein. Ils trouvent aussi que c'est un peu cher vu la voiture que c'est. Mais bon, voilà, c'est un choix de Nissan. Peut-être qu'il y aura des belles remises, on ne sait pas. Mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.